va être cardio en vrai. Bon allez, on va se suspendre dans le vide. Bon alors, aujourd'hui, on est en plein road trip, on est dans le sud de la France et on s'apprête à monter une antenne de 350 mètres de haut. Celle-là. Du coup, on va essayer de monter ça, à prendre des petits plans drone et des petits plans à 3-6. Oui, ça c'est le bon mood pour grimper une antenne. Let's go. C'est tellement grand. On voit à peine le ciel à travers tous les barreaux là. Du coup, on est au premier palier, donc elle fait 350 mètres. Et derrière, il y a ses petites sœurs. Allez, ça part. Bon, on est à la moitié. On continue. Allez. Oh, ça commence à tirer sur les bras là. J'ai aucune force. Ça va être cardio en vrai. Parce qu'elle est quand même hyper grande. Heureusement, j'ai trouvé une petite technique. Je pose mon dos ici là. Comme ça. Et du coup, mes avant-bras ils forcent beaucoup. Ça va permettre de moins consommer en énergie. Putain, c'est fatigant, mais tiens, j'ai été bien grand. Tout à l'heure, on a calculé combien de paliers? On avait calculé 6 ou 7 paliers. Et là, on vient de se rendre compte qu'il en reste vraiment 6 ou 7. Allez, ça part. Il en reste combien, Léo? Là, il en reste 1, 2, 3. Et le quatrième, ça sera à l'arrivée. C'est le genre de journée où tu cliffes de 25 mètres. Et 2 heures plus tard, tu montres une antenne de 350 mètres. C'est riche en sensations. On commence à sentir le vent là. On est à l'avant-dernier étage. Ça reste plus qu'un. Mais c'est incroyable. Putain. Ça va? Oui. On y est presque. Yes! Wouhou! À 40 mètres d'ascension là, ça fume les bras. Yes, yes. 40 mètres, tu te fous de ma gueule là. 40 minutes d'ascension, putain. Wouhou! Oh les gars! Oh putain! Mais les gars! Attention, position de ski dessus. Bon allez, on va se suspendre dans le vide, c'est parti. Regarde le plot ou pas?
Attendez, je vais peut-être remonter. Ah mais oui, il faudrait juste avoir de la piste. Yes. Je pense que j'en ai mis de bien. Bon là je pense qu'on a eu tous les plans qu'on voulait et toutes les photos qu'on voulait. Du coup gros merci à Léo Urban pour nous avoir donné cette idée parce que c'est une putain de dinguerie. J'ai passé mon temps sur antenne à prendre des photos et tout ça. Et vu que j'ai vu Florian se suspendre, j'ai trop envie aussi, ça m'a trop donné envie. Du coup bah let's go. Yes. Wouhouhou. Alors c'est comment la sensation? Bah c'est bien cool en vrai, petite suspension à 350 mètres de haut, ça régale. Ah, je crois dans la vidéo on a fait que de dire qu'on était à 350 mètres mais en même temps on en revient pas trop en vrai. C'est quand même je crois 25 mètres plus haut que la tour Eiffel, du coup ça commence à faire beaucoup. Hein. 138. Mec c'était trop stylé, genre je faisais mon plan, je disais à Vlado. Vas-y, t'es où et tout, machin, on faisait vraiment... Vas-y, chacun son tour. Chacun son tour. C'était le bar. Ce genre de photo, ouais. Que Flo il a fait. C'est marrant, mais non. Ça fait pète, ça. Elle est trop bien, celle-là. Oh la vache. Mais t'as brûlé, Flo. Alors là, on vient de revenir de l'antenne. C'était une putain de dinguerie, on a tellement kiffé. On espère aussi que vous avez grave kiffé toutes les images qu'on a ramenées. Franchement, nous, on a trop kiffé l'explo. Donc dites-nous en commentaire si vous aussi vous kiffez. Et puis, si vous kiffez, bah, on en refera d'autres. Ouais, et ce genre de trip, ça me fait bien bien plaisir de faire des explos, du cliff, du parcours. Bon, même si là, on en fait pas beaucoup en ce moment. Mais ouais, parce qu'en ce moment, il y a pas mal de blessés dans la team. Enfin, il y a 4 blessés sur 10 personnes. Sachant qu'il y en a qui font encore leurs études et tout. Donc là, on fait un peu plus de cliff vu qu'on est dans le sud. Et puis, on trouve plein de spots. C'est toujours super spontané, en fait. Là, on était en train de cliffer dans les gorges. Et hop, on est reparti, on a vu l'antenne, on s'est dit « Ok ». Celle-là, on va essayer de la grimper. Ouais, c'était obligé. Ouais, puis c'est trop cool. Enfin, on aime trop vivre un peu dans la nature, camper dehors, faire des feux pour manger, etc. C'est trop fou. Comme des trucs. Carrément, ça fait plaisir aussi de vous emmener dans plein d'aventures, plein de coins. Pour l'instant, c'est la France, mais ouais. On vous réserve des belles choses. Mais on a carrément. Plein d'idées, franchement, et vous allez kiffer. L'année prochaine, ça va être une singerie. Allez.